Salut, c'est Sébastien Angel. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un débriefing de la conférence Electronic Arts qui a eu lieu donc hier soir. Pour certains d'entre vous, vous étiez avec moi en direct puisque je la commentais en direct et je la rediffusais en direct sur ma chaîne Twitch. Ce qui sera le cas d'ailleurs pour toutes les conférences. Donc n'hésitez pas à venir regarder avec moi les conférences et me donner votre ressenti. En règle générale, on fait un débat avant, enfin on fait un débat, on en parle un petit peu avant parce que je prends l'antenne une demi-heure avant. Et puis on en parle pendant et puis après on peut débattre de ce qu'on a vu et après je fais un débriefing et puis voilà. Donc bref, on est là pour la conférence. Donc EA Play qui a eu lieu hier. Alors je vous rappelle pour mémoire que l'EA Play ne fait pas partie de l'E3 puisque ça se déroule un jour avant le démarrage officiel de l'E3, que c'est la deuxième année en fait que Electronic Arts a décidé de ne plus participer à l'E3 parce qu'ils voulaient que leur conférence soit ouverte au public. Alors il s'avère que cette année l'E3 est ouvert au public et que à la limite ils auraient pu se mettre finalement dans l'E3 traditionnel, ce qui n'était pas le cas. Venons-en à la conférence à proprement parler et je vais vous laisser regarder un petit peu avant ce que moi j'ai vu et ma réaction. La conférence a ouvert, elle a ouvert de la même manière en fait qu'elle avait ouvert l'année dernière, c'est-à-dire qu'on a eu droit à un petit florilège de ce qu'on allait voir au fur et à mesure de la conférence. Et alors ça, déjà d'une part, je trouve que c'est dommage parce que ça spoile toute la conférence et ça nous montre tout ce qu'on va voir pendant la conférence, même si moi j'ai espéré à un moment donné qu'il y avait des choses qui n'étaient pas dans les images et qu'on verrait plus tard. Malheureusement tout était là et je vous laisse regarder ma réaction à ce moment-là. Bon, alors Need for Speed, on avait déjà vu de toute façon qu'ils allaient nous en présenter. Bon, Battlefront 2, pas une grosse surprise. Alors là, bon, bah ça, c'est, ça ressemblait étrangement à Battlefield 1. Je vois pas ce que ça fout là, moi, qu'ils annoncent un DLC. Ouais, ils vont sûrement montrer un DLC de Battlefield 1, je pense. Ou alors, ils ont mélangé des jeux qui sont déjà sortis avec des jeux qui... Alors une fois ce merveilleux trailer passé que j'ai absolument pas compris comme vous avez pu le voir puisque quand même c'était quand même vachement étonnant de voir du Battlefield là-dedans, c'était quand même vachement étonnant de voir certaines choses, on est tout de suite passé sur du Madden, on a vu entrer sur scène des gens avec des tambours, et là j'étais encore plus surpris parce que je ne comprenais pas pourquoi ils avaient décidé d'ouvrir tout de suite sur le sport qui en général est plutôt casé milieu de conférence ou plutôt deuxième tiers de conférence. Bon, pourquoi pas, ils ont voulu changer, je me suis dit bon bah comme ça on va parler de tous leurs titres de sport au début de la conférence, on va être tranquille. Enfin, on va être tranquille. Moi, je n'apprécie pas particulièrement les jeux de sport, mais je trouve tout à fait normal, évidemment, que les gens qui sont fans de Madden, qui sont fans de FIFA 18, aient tout de suite les informations, et pourquoi pas tout de suite en entrée de conférence, les informations sur ce qu'on va leur proposer pour cette année. Sauf que c'est pas du tout ça, c'est pas du tout passé comme ça en fait. Je me suis complètement foutu le doigt dans l'œil parce qu'en fait on nous a parlé un petit peu de Madden. Madden on l'a laissé de côté après. On nous a annoncé en grande pompe qu'à la fin de la conférence on allait avoir droit à une demi-heure de Battlefront 2 et sans nous préciser si ça allait être du solo, si ça allait être du multi, etc. Donc on savait qu'à la fin de la conférence on allait avoir 30 minutes de Battlefront. Donc ils nous vendaient déjà la fin de la conférence de peur qu'on se sauve avant la fin parce qu'ils étaient peut-être pas forcément sûrs du programme qu'ils allaient nous présenter. Donc une fois qu'on nous a présenté cette annonce de Battlefront qu'on allait voir à la fin de la conférence, on est tout de suite passé sur du Battlefield. Et alors là, j'ai plus rien compris parce qu'on est en 2017, Battlefield est sorti en 2016, et que normalement les fans de Battlefield et les gens qui jouent encore aujourd'hui à Battlefield sont des gens qui ont pris le Season Pass, et que même s'il y a une annonce de DLC à faire, tout le monde en a rien à foutre puisque on a le Season Pass et que de toute façon on va l'avoir ce DLC. Et alors, comble du comble, effectivement, ils nous ont montré pendant un sacré moment déjà, non pas un DLC, mais le jeu tel qu'il est aujourd'hui, avec des youtubeurs, des streamers qui parlent du jeu en disant voilà, il est fantastique, il est génial et compagnie. Donc moi honnêtement, très honnêtement, je me suis fait chier pendant 5-10 minutes à écouter les gens dire voilà, le jeu est super, machin compagnie. Moi, je connais, je joue avec de temps en temps, ça va, c'est bon. Moi je suis là pour découvrir les jeux que vous me réservez et que j'ai envie de découvrir l'année prochaine. Et c'est moi ce que je veux, moi, quand je regarde le 3, c'est savoir l'année de gamer qui va venir, les prochaines années qui vont venir, ce que vous me réservez. Je veux rêver, je veux que vous me donniez envie, etc. Et là, les mecs, ils me parlent d'un jeu qui est sorti depuis un an. Puis après, arrive le moment, évidemment, où fallait s'y attendre. On nous parle d'un DLC. Mais le problème, c'est qu'il n'y a rien à montrer, quoi. Les mecs, ils nous montrent quatre images fixes, dont une qui ressemble à un gif, puisqu'on voit une image avec des flocons de neige qui tombent, puisque c'est un DLC qui se passera en Russie. Et après, en guise de gameplay, on nous montre une cinématique qui nous montre que, bah oui, c'est joli, quoi, que Dyke, il a du talent et qu'il n'y a pas de problème. Ça va être joli comme d'habitude. Et un petit peu, très légèrement, de gameplay, mais qui nous montre pas la map vraiment comment elle va être ni rien du tout, donc quelque chose de totalement inintéressant. Et là j'étais vraiment déjà prêt à partir et à me dire
j'en ai un peu rien à foutre de votre conférence. Et c'est même pas le fait de l'annonce des 30 minutes de Battlefront en fin de conférence qui m'ont fait rester. Mais voilà, je me suis dit, il va peut-être y avoir quand même, à un moment donné, quelque chose d'intéressant, quoi. Alors ensuite, on nous a présenté Need for Speed Payback, qu'on connaissait déjà, puisqu'il y a une bande-annonce qui est parue il y a quelques semaines, donc on savait déjà que ce jeu existait, on savait qu'il allait être annoncé. On a eu une nouvelle bande-annonce où on a vu un peu plus de gameplay, donc on a pu voir qu'il allait y avoir des éléments un petit peu de burn-out dedans, puisque on a pu voir qu'on pouvait faire des takedowns avec des slow motion, etc., qui sont à mon avis déjà beaucoup trop présents. J'espère qu'il y aura quelque chose qui permettra de limiter la fréquence des slow motion, parce que sinon ça va être très vite agaçant. On revient visiblement aux sources, puisque la police joue un rôle quand même vachement plus important que dans les anciens volets. On a été longtemps, à un moment donné, avec la période Fast and Furious, où c'était plutôt des courses clandestines avec les flics qui intervenaient de temps en temps, mais qui n'étaient pas aussi présents qu'ils auraient dû l'être dans un Need for Speed. On a vu une scène qui était, certes, une scène qui t'en fout plein la vue, mais c'est une scène que tu vois dans tous les films de bagnole qui se respectent, et notamment c'est carrément inspiré de Fast and Furious, où t'as une nana qui sort d'une voiture qui roule à tout berzingue, elle monte sur la voiture, elle saute sur un camion, elle va dans le camion, elle prend une voiture qui est dans le camion, et elle sort du camion comme une tarée, et tu pilotes la bagnole et tout. Bon, ça marche toujours ce genre de truc, mais ça manque d'inspiration, quoi. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui, ça te fait pas waouh, quoi. Je veux dire, ça tu le vois dans tous les films de bagnole qui se respectent, avec des cascades à la hauteur. Et la seule différence qu'il va y avoir entre le Need for Speed Payback et puis un film que t'as pu voir 50 milliards de fois, c'est que tu vas interagir, tu vas être acteur au lieu d'être passif en regardant les images comme au cinéma. Là tu vas être acteur, bon, tu vas le faire une fois, tu vas pas relancer le jeu 50 milliards de fois pour faire ça, quoi. Donc c'est un peu, je trouve un peu dommage, un peu la facilité comme d'habitude. Ceci dit, ce jeu a l'air quand même assez rythmé, il a l'air quand même assez bien grisant les premières heures en tout cas, mais je pense qu'on va s'en lasser assez rapidement. Et graphiquement quand même, il tient la route, il est très joli, il est très 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 bien fait. Si le résultat final correspond à ce qu'on a vu, et ça pourra vraiment être un truc aussi intéressant. On est passé après sur quelque chose d'un petit peu plus intéressant, une nouvelle IP qui s'appelle The Way Out, et en fait c'est fait par la personne qui avait fait Brother of Toll. Où en fait on jouait en solo, on faisait de la coop solo. Je sais pas si vous vous souvenez de ce jeu, où avec le stick droit de la manette on contrôlait un frère, et avec l'autre stick droit de la manette on contrôlait un autre frère, et il fallait qu'on évolue et qu'on fasse faire des actions simultanées à chacun des personnages pour pouvoir progresser dans l'histoire. Là c'est un peu l'inverse, c'est grosso modo c'est Prison Break, puisqu'en fait on a deux personnes qui sont en prison. Une qui est quelqu'un qui visiblement est plutôt quelqu'un de gentil, on va dire, et qui est arrivé en prison, on sait pas trop pourquoi, mais qui est pas un gros méchant, et dont sa seule ambition c'est de retrouver son fils. Et on a une autre personne qui est en prison, qui lui visiblement est quand même un gros gangster, et puis voilà, et ils ont besoin l'un de l'autre pour pouvoir s'évader, et c'est de la coop, nous a annoncé le développeur, de la pure coop, comme soi-disant on n'en a jamais joué, et ça se passe en écran splitté, et voilà. Alors moi je trouve que le jeu, j'ai récupéré pas mal d'informations sur ce jeu dans la nuit, parce que j'ai pas dormi beaucoup. J'ai une vidéo qui est en préparation, mais elle va pas sortir tout de suite pour plusieurs raisons, mais dès que j'aurai fait cette vidéo, vous en serez informé. Et ce jeu m'intéresse, m'a donné envie de m'y intéresser, sauf que, mais on en parlera plus longuement dans la vidéo dont je vous parlais, sauf que ce jeu me donne l'impression d'être un très beau concept, quelque chose qui va faire un effet d'annonce dans une conférence, mais qui, quand le jeu va sortir dans les bacs, va être un échec total, parce que de par son concept, ça va pas marcher. Donc, mais ça, moi c'est l'opinion que je vous donne comme ça, là, maintenant. Je vous donnerai plus d'informations sur ce jeu. C'est un bon concept, sur le papier c'est bien, mais ça va faire comme Evolve. Sur le papier c'était très bien, et ça n'a pas marché, et là ça ne marchera pas non plus. Mais c'est le genre de choses qu'il faut montrer à une conférence, pour montrer un petit peu que on fait un petit peu de tout, on fait pas que des jeux triple A, machin et compagnie. Donc il avait tout à fait sa place à l'E3. Le concept est très bien, je dis bravo aux gens qui ont eu l'idée de cette façon de faire un jeu, mais encore une fois, je pense que ça va toucher vraiment une minorité de personnes qui pourront jouer en coop avec quelqu'un qui s'entendront bien, et ça sera pas le cas de la majorité des gens. Donc la majorité des gens qui achèteront ce jeu là bah ils joueront avec des joueurs lambda, et puis ils vont s'emmerder, et puis voilà, ils verront pas une expérience phénoménale, donc ça ne marchera pas, bah comme ça a été le cas pour Evolve, comme je le disais tout à l'heure.
Alors après, on est repassé sur du Madden, parce que bon, bah voililà, comme ça, ça leur a pris comme une envie de pisser, fallait remettre du Madden. Alors après, on a eu une information intéressante, comme quoi on allait pouvoir jouer gratuitement pendant 7 jours à Origin Access, pour mettre en avant un petit peu leur service qui vous permet de vous abonner et de jouer à des jeux qui sont plus ou moins anciens. Et après, on a eu droit à l'IP BioWare, qui est connu pour certains depuis un moment sous le nom de code Dylan. Finalement, le jeu s'appelle Anthem. Alors Anthem, la seule chose qu'on a pu voir, c'est une combinaison un petit peu à la BioShock ou un jeu dans ce genre-là, où en fait on voit une combinaison, on sait qu'il y a quelqu'un qui va aller dedans, un petit peu comme une combinaison de Fallout dans l'idée. On sait que quelqu'un va monter dans cette combinaison, il y a un travelling de 360 degrés qui est fait dessus, où on se rapproche dessus, et le truc s'arrête là, on n'apprend rien du tout. On n'apprend que dalle, on ne sait pas ce que c'est, alors que c'est quelque chose que ça fait des mois qu'on en parle et qu'on aurait bien aimé en savoir plus. Alors je vous rassure, on en saura plus à la conférence Microsoft ce soir, puisqu'après Yaman, a priori, le jeu sera révélé à la conférence Microsoft, mais même s'ils étaient limités par une exclusivité qui était demandée par Xbox, ça sera très certainement, je pense, un jeu qui va être un jeu Scorpio, ils auraient quand même pu, tu vois, d'une façon habile, nous mettre un peu plus d'eau à la bouche sans pour autant trahir le contrat qu'ils avaient avec Microsoft. Mais visiblement, ils n'ont pas procédé comme ça. Et puis, à peine le teaser d'une cour qui nous a été présenté, on est repassé sur du sport, du NBA, du NBA 2018. Et en fait, on a fait que ça, passer du sport à un truc, du sport à un truc, du sport à un truc. C'était chiant, il n'y avait pas de rythme, c'était pas, ils n'arrivaient pas à nous intéresser, ils n'arrivaient pas à nous donner envie de vraiment nous impliquer dans leur conférence. Et puis, j'ai trouvé ça vraiment dommage et très, vraiment, mais vraiment, je me suis fait chier d'une puissance phénoménale. S'il n'y avait pas eu The Way Out, qui encore une fois, pour moi, est plus un concept qu'un jeu, j'aurais passé un moment, enfin, je veux dire, je me serais fait chier, j'aurais perdu mon temps, quoi. Donc, arrive la fin de conférence, et la fin de conférence, comme on nous l'avait dit dès le départ, c'est une demi-heure de Star Wars Battlefront 2. Donc, on voit arriver sur scène Jania Gavankar, qui est l'héroïne, l'actrice qui va jouer le personnage féminin qu'on incarnera dans la campagne solo. Alors, on voit la voix entourée de Stormtroopers, elle arrive très classe et tout, elle est très... dans son rôle du côté obscur, et elle est un petit peu narquoise, tout ça, ça le fait bien, elle gère bien son truc, et on se dit, tiens, on va en apprendre un peu plus sur la campagne solo, parce que quand même, la campagne solo, on n'en a pas eu dans le premier, on en veut une, j'en veux une dans le deuxième, il y en a une dans le deuxième, etc., donc on se dit, on va en apprendre un petit peu, bon, évidemment, sans qu'il nous spoile trop, mais qu'il nous montre quand même quelque chose, et en fait, que dalle, la campagne solo est absolument pas abordée, on ne voit rien de la campagne solo, ils la présentent même pas, ils en ont un peu rien à foutre, quoi, concrètement. Ils en ont rien à foutre, ils savent qu'on l'attend, mais ils en ont rien à foutre. Et ils nous emmènent directement sur 30 minutes de jeu en multijoueur sur Star Wars Battlefront 2 et notamment sur la planète Naboo. Et c'est vrai que Naboo est très bien reconstitué, c'est vrai que c'est très joli, c'est vrai que les graphismes sont un cran au-dessus encore de ce qu'on a pu voir dans Battlefront. Et si, je vous assure que c'est possible, hein, y a pas de souci à ce niveau-là. Sauf qu'une fois passé la découverte des décors, une fois passé la découverte des robots qu'il y a dans la menace fantôme, puisqu'on est sur Naboo, donc forcément il y a les robots qu'on a vus dans la menace fantôme, et une fois passé cet effet de surprise entre guillemets, ben on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que le gameplay c'est une copie conforme, c'est la même chose que ce qu'on joue dans Battlefront 1. Donc en fait on a l'impression de regarder du Battlefront avec des cartes qui auraient été rajoutées, voilà. Donc je trouve ça vraiment dommage de pas nous avoir montré au moins le solo. Il y a plein de choses que je trouve dommage. En fait, la conférence était tellement inintéressante, non pas parce qu'il n'y avait pas le contenu qu'il fallait, puisqu'ils avaient quand même certains jeux qui étaient intéressants, qui auraient été mieux mis en avant, mieux présentés. La conférence aurait pu être beaucoup mieux, mais c'est Electronic Arts, ils ont toujours ces putains de problèmes de rythme, ils savent toujours pas comment présenter les jeux. Là, j'ai vraiment eu l'impression à un moment donné, si vous voulez, qu'il y avait quelqu'un qui était derrière un rideau, qu'il y avait un rideau et qu'il y avait tout le monde derrière le rideau, et que chacun leur tour, ils tiraient un truc dans le chapeau et que ils disaient, bah tiens, toi c'est Battlefront, toi c'est machin, toi c'est truc. Et ça faisait vraiment amateur, c'était vraiment pas hypant, c'était vraiment pas voilà, motivant pour la suite. Moi, je sais qu'en fin de conférence, je me suis dit, ok, bon bah si c'est ça tout le 3, je suis même pas sûr de le suivre quoi jusqu'au bout. Heureusement, je me suis ressaisi très vite, mais bon voilà, donc un peu déçu, rien de vraiment intéressant. Les seules choses qui auraient pu être qui ont marqué, j'ai envie de dire, cette conférence, c'est The Way Out, bien sûr, le petit jeu là dont je vous parlais tout à l'heure, qui pour moi relève encore une fois plus du concept que véritablement du jeu. Et puis bah à voir ce que donnera cette nouvelle IP
BioWare. On en saura plus ce soir à la conférence Microsoft. Je vous ferai de toute façon pareil un résumé de la conférence demain et puis un débriefing également de la conférence demain. Et pour ceux qui le souhaitent, eh bien, ce soir à partir de 22h30, je prends l'antenne sur ma chaîne Twitch avant le lancement de la conférence Microsoft et je serai tout le long de la conférence Microsoft à commenter la conférence et à voir les réactions que j'aurai sur les annonces qui vont être faites par Microsoft, que je pressens comme une très très bonne conférence. Très honnêtement, je pense qu'elle va être très très bonne. Voilà, en tout cas je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour ceux qui ont vu la conférence hier sous la vidéo. Si vous avez des choses qui vous ont choqué, que je vous ai dit machin etc, n'hésitez pas, je suis aussi là pour en débattre avec vous, il n'y a pas de problème. Je vous dis à très vite, passez une bonne soirée, prenez soin de vous, des gens qui vous aiment, allez, bye.